petite biche, j'espère que vous allez bien. Ah, d'habitude c'est les klaxons, mais aujourd'hui nous sommes un peu isolés. Nous sommes sur Governor's Island, c'est une petite île au sud de Manhattan. On y accède en ferry, il y a 5 minutes de ferry, à partir de Wall Street, du Pier 11. C'est ça? Et le prix du ferry coûte 2,75$, 2,75$, c'est comme le prix du métro. Et en fait, c'est une chouette petite île où il fait tout calme. Bon, à part les gens qui peuvent crier et les hélicoptères qui passent tout près, parce qu'en fait, je vais vous montrer. Là derrière, vous avez le sud de Manhattan. Et en fait, je vous mettrai en lien la vidéo du tour d'hélicoptère que j'ai fait quand mes parents sont venus. C'est le sud de l'île de Manhattan, en fait, est beaucoup survolé par des hélicoptères. Governor's Island, c'est une île qui est un peu abandonnée comme ça, parce qu'en fait, tous les bâtiments étaient habités jusqu'à un certain moment, mais ne le sont plus. Par des militaires, des officiers, des soldats et tout ça. Mais du coup, c'est assez marrant parce qu'il y a plein de gens qui viennent, mais il n'y a personne qui vit dans tous ces bâtiments. C'est beau et en même temps, c'est un petit peu lugubre parce que, par exemple, vous avez l'hôpital qui est un énorme bâtiment, très très beau et tout est vide, mais on dirait que les gens sont partis comme ça du jour au lendemain. Et sur cette île, il y a le Governor's Ball qui est un festival hyper connu de New York où toutes les stars vont, hein. C'est un peu comme le Coachella de New York. Et il y a aussi plusieurs fêtes pendant l'été. C'est une île qui n'est accessible que l'été, seulement à partir de début mai. Et il y a par exemple une fête qui s'appelle le Pink Nick. Et c'est une fête où il y a, je ne vais pas dire que, mais beaucoup de vin rosé à boire. Voilà, donc en fait, en gros, c'est une île où il n'y a plus personne qui vit, mais où on y fait la fête. Voilà. Ça y est, le Crowley a cherché la réponse à pourquoi l'île est abandonnée. En fait, c'était la garde nationale qui logeait ici, dans tous ces bâtiments. Et ils ont déménagé en 1996, 1996. Et c'est devenu un site historique depuis. Coucou. Voilà pour ce petit tour sur Governor's Island, mes petites biches. J'espère que ça vous aura plu de venir avec nous. Et en tout cas, si vous êtes à New York, à partir de début mai. N'hésitez pas à venir faire un tour sur cette petite île, c'est vraiment mignon, même si c'est un petit peu bizarre de voir toutes ces maisons abandonnées, mais ça vaut le coup. Et puis ben, ça peut permettre de prendre un petit bol d'air et de faire une petite pause dans le tumulte de la ville avec cette magnifique skyline derrière nous. C'est quand même drôle de se dire que les gens, quand ils vivaient ici, ils n'avaient pas la même skyline que maintenant. Vu que c'était en 96 que ça a été fermé et qu'il y a eu les attentats en 2001, c'est fou quand même de se dire que c'était pas la même vue. Donc voilà, c'était notre petit tour du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous plaît ce genre de balade dans New York. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Et vous pouvez aussi regarder une autre vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous, à bientôt.